Allez, salut à tous, ici Charda et on se retrouve dans ce 7ème épisode de N Terraria avec notre petit gobelin encore une fois. Entre les deux épisodes, j'ai fait cette petite maison, donc un petit duplex à la con. J'ai mis un toit pour que ce soit moins moche, mais voilà, c'est pas une de mes fiertés, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même pour juste histoire d'avoir une petite maison pour pouvoir accueillir les prochains PNJ qui vont venir. Donc, on a qui en ce moment? On en a 4, donc on n'a même pas le guide, donc voilà, on a besoin du guide, on a besoin du marchand aussi. Le marchand qui pourra pas venir en ce moment, il va avoir le gobelin qui va pouvoir venir aussi. Donc voilà, il y en a pas mal, mais c'est pas grave, on va espérer avoir le guide et le gobelin, donc le guide pour continuer la quête surtout, et le gobelin parce qu'il est pratique, donc voilà. On va aller parler à Dominique et on va continuer notre Hunter Test, on est rendu à la part 2, donc on va aller voir ça. Faut que je collecte 20 jungle spores. Ça doit être facile, je dois les avoir déjà même, je pense. Si je les ai déjà, ça serait très facile. J'aurais pu devenir hunter dans le dernier épisode. Oups, mais c'est pas grave. Est-ce que je les ai déjà, les jungle spores? Jungle spores... Ah bah oui, amplement même. Amplement, amplement, amplement. Parfait. Hop. On va aller porter ça à Mr. Mr. Dominic. Venez ici, mister. Yeah. Parfait. Le dernier final, c'est quoi? Un Queen Bee trophée. Oh! Ah, ok. Ah, nice. Nice. Vraiment génial. Parfait. On retourne dans la jungle. On va aller buter de la Queen Bee. J'ai même pas peur. Brandon, c'est qui? C'est le guide. Parfait. On a le guide. Ça, c'est cool. Quoique, j'ai pas le... Ah! Ouais, allez. On va aller buter Queen Bee. C'est pas grave. J'ai pas le goût de buter Queen Bee tout de suite parce que... je sais qu'il va falloir la buter pour une quête, donc dégage. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de la buter tout de suite, mais c'est pas grave, on va quand même... On va y aller quand même. Ça va bien se passer. Du coup, j'ai des trucs de throwing. De throwing. Je pourrais essayer de me faire le suit ninja. Ça fait quand même mal ce truc. Je pourrais essayer de me faire le suit ninja pour augmenter mon throwing damage. On verra bien. Hop. En attendant, on y retourne. Allez, la jungle. Viens à moi. Faut aller buter Queen Bee. On avait trouvé une ruche la dernière fois. Je sais pas si je vais être capable de la retrouver parce que je l'avais pas marqué de manière spécifique sur ma map. Allez. Je vais juste aller passer ici, aller chercher la plante, la strange plant. Pour le plaisir d'avoir des dyes. Voilà. En même temps, on va buter toutes les peaux qu'il y avait ici. C'est cool, les javelins. Ils sont assez précis. Ils font quand même assez de dégâts. C'est pas mal. Bon, assez précis. Faut savoir viser aussi. Ce qui est pas toujours mon cas. Toi dégage. Toi aussi. Merci. Allez, on y retourne. On a passé l'épisode dernier dans les grottes. On va faire de même cette fois-ci. Bah ouais, dans les grottes, dans la jungle plutôt. Pour mes autres quêtes, bon, les Bloodcrawlers, évidemment, il va falloir que j'aille buter dans le Crimson. Puis sinon, everything is all fun and games until one lose an eye. Il va falloir acheter... Le water gun au marchand ambulant, donc le traveling merchant qui arrive, voilà, qui vient de temps en temps, donc va falloir lui acheter ça à lui, le water gun, donc c'est complètement aléatoire, donc ça se... Oh, j'ai eu peur, j'ai tellement eu peur de mourir, c'était close, bon c'est pas grave, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais descendre ici tout simplement, j'ai pas le goût de faire le tour par... Voilà. Faire le tour par l'eau à chaque fois. Donc autant se faire un petit chemin. Du coup, oh ben là il y a pas mal de mobs. Je vais juste m'occuper de les buter. Avec un peu de chance, ça va donner des trucs intéressants. Oh, un yo-yo. Cool. Je m'en fous parce que je me bats pas.
J'ai pas de dégâts de mêlée, mais cool quand même. Je vais me... Bah déjà, il y a un arbre ici que j'avais pas. Ouais. Laisse-moi passer, toile d'araignée. Allez, laisse-moi vivre. Ah! Parfait. Toi, je ne penserai pas. Je sais ce que tu essaies de faire. Allez, merci. On va prendre ça, Flare Gun, ça peut être utile. Quoi que je pense pas en fait. Bon, c'est pas grave. La Queen Bee était là-bas. Et j'ai vu un cœur juste à côté, donc on va aller chercher le cœur. Je sais combien de cœurs derrière. Ah, il m'en manque juste deux. Parfait. On a bientôt tous nos cœurs de vie. C'est bien. C'est même excellent. Je sais même pas si j'ai. Allez. On saute ici, on fait ça, ça comme ça, on fait tomber de l'eau. Hop. Et on prend un cœur qui va m'être très utile parce que là j'ai un crevé. Soigner un petit peu. Et la Queen Bee était où? T'es par là-bas. D'accord. On met une torche ici et on y va. Juste dégager un petit peu les vignes qu'il y a ici. Voilà, pour pouvoir avoir de la lumière. Un petit peu de teint sur le chemin, pourquoi pas. Et on y va, on va s'attaquer à ce boss. Je sais pas si on peut le gérer, sincèrement. On n'a pas une très bonne armure. Parfait. Hop, ici et ici. Madame Greenby. Allez, viens à moi. Ça met du miel, c'est cool le miel. Pardon. Ah, pardon. Ça a dû faire éclater. Oh merde. Parce que je voulais faire, je suis désolé, Queen Bee. Non. Je vois que dalle. Bon, ok. En plus, avec le stun qui est là, c'est un peu relou. Aïe. Tu fais mal, Madame Bee. Toi. Aïe, arrête de m'entrer dedans. Je veux du miel. Allez, niaise-moi pas. Arrête de tourner partout. Parfait, tu charges, c'est bon. On devrait s'en sortir en fait. Faut juste que je réussisse à... Merde. Non! Arrête de m'entrer dedans! Non! J'ai pas de potion, j'ai pas de potion, j'ai pas de potion! Merde, j'étais pogné dans le miel, j'arrivais pas à sortir, c'était triste! Oh mon dieu! Autant pour moi, j'avais comme oublié que si j'attaquais le truc, ça explosait. J'avais Plantera en tête, donc Plantera, c'est pas le cas. Hein? Plantera, c'est. Faut que tu veuilles invoquer Plantera pour l'invoquer. Damn it. Est-ce que j'ai des potions ici? Déjà avec des potions, ça va aller mieux. Ensuite. Boum, comme ça, merci. Ensuite, tir à l'arc. Ouais, alors dans ce contexte-là, ça aurait pas été très utile. Hop. Et pile rapide. Parfait. Ah, je suis un peu déçu. Un petit peu déçu. On va y retourner. J'ai quand même 2 heures pour récolter le Queen Bee Trophy, donc voilà, mais. On va y retourner. Ma vie remonte assez vite, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une particularité des gobelins de faire que la vie remonte aussi vite que ça? J'en sais rien, en tout cas, c'est cool. Oups. Non, je sais pas pourquoi ma vie a... Ah, est-ce que... Est-ce que c'est à cause de l'anneau de régénération? Ça se pourrait. Anneau de régénération augmenté avec ça. Life Regen plus plus plus, ça doit être ça. Hein? Peut-être que l'anneau de régénération est vraiment très utile dans ce mode, puisqu'il est multiplié par tout. Je sais pas. Faudrait que je fasse des tests. Mais en attendant, c'était
Bah la vie, c'est génial, hein. Comment ça remonte, ça c'est cool. Non, 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 couché. Merci. Insane mug. Ouais. Ah, Ranger level up, cool. On va mettre un point en concentration encore. C'est un buff, donc je vais le mettre à la place de Spreadshot, parce que j'utilise pas Spreadshot. Concentration roar acquire. Est-ce que ça augmente mon dégât et tout? 80 dégâts à distance? Je sais pas. For sometimes, ouais, mais ça me dit pas c'est combien de temps. Ah, quoi que peut-être que ça me l'écrit quand le buff il part en fait, ça doit être ça. Si c'est le cas, c'est bien. Pour l'instant, je fais 80 de dégâts. On va regarder ça. On va suivre ça. Ah, mais en fait. Ouais, voilà, les stats ont pas mal augmenté, c'est cool. Plus 12 de strength, alors que normalement, j'ai pas ça. Excellent. Excellent, concentration. On va garder ça. Ah, voilà. Super, ça me le dit. Ça, c'est cool. Je peux juste toujours l'activer, en fait. Et quand j'augmente le level, ça augmente, j'imagine, les ce que ça donne. Donc, tant mieux. On va garder ça. Du coup, on va retourner voir la ruche. Il y en a... Oups. Est-ce qu'il y en a d'autres ruches? On n'en avait pas trouvé d'autres. Dépôt. On n'en avait pas trouvé d'autres, donc voilà. On va malheur. Voilà, donc je prends l'habitude à chaque fois que la concentration buff y disparaît, je vais juste le remettre parce que c'est complètement gratuit. Il y avait une méduse quelque part, j'ai pas envie d'aller la voir. Pas une méduse, mais une gorgone. Méduse. Merci. Ouais. C'était juste en dessous de nous. Ouais, cette eau qui est un peu dérangeante. Merci. Je pense que... Est-ce qu'il y a des trucs que je peux récolter ici qui servent? Je suis pas sûr. Je sais pas si ça me sert à quoi d'avoir autant de... De beehive, mais c'est pas grave. Je la récolte quand même. Hop. Oh. Dégage. Ah, une, des rails en bas, c'est cool, on va aller voir ça. S'il vous plaît, de la lumière. Merci. Les rails qui descendent. Est-ce qu'il y a quelque chose ici d'intéressant? Pour l'instant, non. Aussi, je rappelle. Oups, il nous reste. J'ai vu du. Oh, nice. Il y en a une autre ici, parfait. Oh, et deux cœurs. Donc, on a le cœur qui nous manquait. Normalement, je vais juste vérifier quand même si on peut pas en prendre un autre. Un autre, c'était une mimée. On peut pas, d'accord. Mourir les mobs, parfait. Bon, je propose de réessayer Queen Bee, mais dans un environnement un petit peu plus protégé. Mon dieu, ça fait masse dégâts ces trucs. Oh, lâchez-moi. Ouais, ouais, attends, attends. Ok, j'ai pas compris pourquoi ça m'attaquait autant, mais c'est pas... Allez, marche. Ah non, merci. Merci.
Bon. Du coup, Queen Bee. T'as un petit peu de régène, ça fait du bien. Ma régène, ma vie, elle monte super vite, vous voyez. Et ça me coûte vraiment rien, donc ça, c'est cool. C'est super cool. Parfait. On va passer plus par ici. Comme ça, je peux tuer les mobs dès qu'ils s'approchent au lieu de les avoir en dessous de moi. Parfait. Il y a un autre cœur en bas, donc il y avait énormément de cœurs dans cette ruche. On va mettre ça, corde, juste pour pouvoir sortir rapidement. J'ai toute ma vie, j'ai mes armes. Je vais vérifier encore, ouais. Il y a un autre cœur là. Ouais. Et donc, on va... Je pense que je vais l'activer avec ça. Et on va réessayer. Buff effect fade. On va faire ça. Parfait, en même temps. Bon, là déjà on a plus de place. Pourquoi? Ah merde, il y a un... Ok, il y avait un genre de petit... Arrête de me tirer dessus. Respecte-moi, Queen Bee. Il y a un petit bloc de boue sur le chemin qui est un peu dérangeant. Ok. Hop. Je vais essayer d'enlever. Le temps qu'elle revienne, voilà. Parfait, on commence à bien endommager cette fois-ci. La barre de vie en haut, je la comprends pas tout à fait. Il y a comme plein de couleurs qui descendent. Et là, la chauve-souris qui vient m'attaquer, je penserais pas. Parfait, GG. Mais malheureusement. Oh, sérieux. Bon, on a battu Queen Bee, mais on n'aura pas eu son trophée, malheureusement. Ah, ça va être plus compliqué que ça. Du thym, poupée vaudou encore, et du copper, bon. Okay. On a eu l'arc, ça c'est cool par contre. Arc qui fait énormément de dégâts. Il fait quoi? Oh, un autre raccoon box. Ouais, il fait super mal cet arc. C'est vraiment génial. Je me souviens plus du craft pour faire des trucs de Queen Bee. Donc, en cas de doute, on va aller récolter ici le honey block. Et on va... je vais remonter à la surface pour aller voir c'est quoi le craft. Des honey blocks. Ok, on a des honey blocks, on a des hives. Du honey, je pense que c'est ça. Hein. Ça doit être ça. Parfait. On va récolter d'autres hives. Parce que je vais devoir en faire spawn plein. Il va falloir qu'on farme les Queen Bee. On n'aura pas le choix. Heureusement, vu que c'est pas des mobs à tuer. Ben. Ouais, ça aurait été plus cool que ce soit des mobs à tuer. Pour la quête, mais vu que c'est des trucs à récolter, on peut juste le récolter sans avoir la quête. Et revenir prendre la quête ensuite. Donc, ça, c'est très très bien. Voilà. On récolte ça, qui est le reste. Je me prends énormément de dégâts sur le chemin, mais c'est pas grave. Notre vie régénère quand même à cause du hive. Parfait, j'en ai combien? J'en ai 145. Ça va être amplement. Pour l'instant, on peut aller voir un petit peu ce qu'il y a plus loin. Ah, ben il y a beaucoup de miel ici. De crispy honey. Pas du crispy, juste du honey black, normal. Je suis tellement ralenti. Parfait. Hop, voilà. J'ai eu quoi de lui au fait? J'avais eu aussi le... J'ai eu des grenades ça peut être cool. Voyons. Voilà. Des grenades ça fait super mal, donc ça va être pratique pour rebattre le boss. Vous voyez le nombre
de petites abeilles que ça fait spawn. C'est vraiment cool. Ah, un don de la nature. Pas très utile pour moi, c'est de la magie, mais pourquoi pas. Parfait. On va prendre le miroir magique, on retourne à la base. Raccoon Box avec de la météorite dedans. Oh. Très très cool. Oh, j'avais déjà de la météorite. Je suis débile. Plus rapide, voilà. On va voir si je peux faire fondre des trucs. Oui, masse de thym. La masse de thym qui me sert pas à grand chose. Je peux faire des trucs pour abeilles, donc je peux en faire combien? Il faut un d'or aussi. Alors, je peux en faire maximum 5 avec les dors que j'ai. Je peux en faire maximum 7. Je peux en faire 5. Parfait. On va en faire 5. Et ben, on retourne dans la jungle, buter du coin de biais. J'ai bien l'intention d'avoir ce trophée bientôt. Donc, si ça peut être dans cet épisode, ça serait génial. Il me semble que je peux pas l'invoquer ailleurs que dans la jungle. Exact. Je peux pas. Tant pis. Ça, je vais mettre des flèches en bois. Ils font moins mal, mais ça tire des abeilles et ça, c'est cool. Donc, vous avez vu, j'ai tiré une flèche à tuer les deux mobs. Parce que ça tire, hop, des abeilles qu'on peut voir s'envoler ici. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Mais, voilà, ça tire des abeilles, tout simplement. C'est cool. Vous voyez? Hop. Et ça tire super vite aussi à cause que je suis monté. Dextérité. Je vais monter ma dextérité encore d'ailleurs. Hop. Voilà. On va battre Queen Bee avec ses propres armes. J'espère juste avoir le trophée bientôt ou au moins l'avoir dans un de ces 5 là. Sachant que je pense qu'on a une chance sur 10 de dropper le trophée à chaque fois. Donc. Et donc voilà. Ça sera pas pour tout de suite. En théorie. Ça fait super mal cet arc. Ça consomme des flèches de bois, c'est vraiment génial. Oh ouais, dans l'eau par contre, voilà. Dans l'eau, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. On va rester au javelin dans l'eau. C'est. Hop, et là je suis dans la jungle, je me suis mis sur un point en hauteur. On peut se battre contre Queen Bee. Queen Bee d'ailleurs que j'avais faite. Je considère ça comme sans préparation de terrain, hein. J'avais juste sorti, mais j'avais même pas besoin de mettre la corde. Donc, Queen Bee et Cthulhu sans préparation de terrain, c'est fait. Queen Bee, maintenant. Parfait, ça fait super mal, hein. Vous voyez? Parfait, Queen Bee numéro 1, battu, malheureusement pas de truc intéressant. La bee, ouais, la Hive and Wand est cool, mais voilà. Bah un autre, allez un autre Queen Bee. Donc désolé, on spamme le Queen Bee cet épisode-ci, mais c'est la quête qu'il veut. On est vraiment en train de la buter. C'est tellement facile à buter. Ouais. Un icône encore. Lorsqu'on est endommagé, ça peut être intéressant, ça, je pense. Ça, je m'en fous. Ça peut être intéressant, un icône. Je vais garder les Raccoon Box pour l'instant. On les ouvrira quand on aura plus de place dans mon inventaire. Allez, viens là. Il y a tellement d'abeilles, vous voyez les petites abeilles qui le suivent. Les abeilles qui se rebellent contre la reine. Rah. Ah, toujours pas. Oh, bon. Le bee mask. Hé hé, j'ai une tête d'abeille maintenant. Avec des, une tête d'abeille avec des oreilles. Ouais, c'est moche finalement. Je vais garder le casque de robot parce que voilà, c'était un peu moche. Tire à l'arc, je vais en prendre une juste pour faire de la place dans mon inventaire. J'aurais pas dû gaspiller des potions de tir à l'arc, mais je voulais de l'espace. Allez. Je pense pas que t'invoques des abeilles.
C'est moi qui invoque des abeilles. Toujours pas. Damn it, il nous en reste juste un. Et on a plus de place dans notre inventaire. C'est pas pratique, je vais mettre ça ici. Ah, il nous en reste juste un, sérieux. Ça, je vais l'acheter. Hop, ça, je vais l'acheter, parfait. Dernier essai pour tout de suite. Ça, il va falloir qu'on en fabrique d'autres. Ah, il a compris que ça va rien évoquer. Il tire des dards. T'as pris exemple sur tes sœurs. Toujours pas. Damn it. Je voulais. Bon, ça déjà, on va le mettre juste pour... oh mon dieu, c'est moche ce costume. Est-ce que j'ai le casque? J'ai pas le casque. Dommage. C'est moche ce costume. Bon, dommage. Très très dommage. J'aurais vraiment aimé ça l'avoir. Bah maintenant en fait. Il manque des dards pour en crafter d'autres. Après ça, avec des honey blocks. Oh, damn it. Damn it. Toi, tu m'as... 900. Vous avez vu, on a un coup critique de 900. C'est quand même beaucoup. On est level up, c'est cool. Notre classe est level up aussi. On va pouvoir monter concentration. Qu'il faut que j'en remette d'ailleurs. J'ai oublié de le rééquiper. Ah, bon. C'est pas très grave. On va aller vendre tout ce qu'on n'a pas de besoin. Donc, les honeycomb. Hop, je peux en vendre. Ben, je peux vendre les trois en fait. Vitesse de mêlée, ça c'est vitesse de déplacement, je préfère. Cela a donné 1% de dégâts, mais je préfère quand même. Ah, quoi que. Ouais, non, 1% de dégâts, c'est pas énorme. Beekeeper, j'en ai pas besoin. Pas de besoin, pas de besoin. Beegun non plus. Hive wand, j'en garde une. Les grenades, je garde. Ça, je le veux pas. Merci. Parfait. Et on fait. Hop. Hop, platinum, pierre de l'enfer, météorite, crimtane, copper et du minerai d'argent. Wow, on a été assez riche là-dessus. Encore une fois, faut que je fasse de l'espace dans mon inventaire parce que on débloque des nouveaux minerais à chaque fois. Du coup, je peux faire un golden cannon. Ah, bon. C'est où la limite? Voilà, c'était ici. Je vais faire fondre tout ce que j'ai. Hop. On va... C'est quoi ça? Hive wall? Oh, des hive wall, je m'en fous. J'ai pas vraiment l'intention de me faire un... une ruche, donc... Je m'en fous un petit peu. Ça, c'est du dégât à distance. Génial! Je pourrais faire ça au lieu du mini shark. Ou je fais juste me racheter un mini shark à côté. Je vais me racheter un mini shark pour avoir les deux. Et j'ai un canon à étoiles. Donc toutes les étoiles vont me servir de... munitions. Je reprends un mini shark quand même. Parce que c'est bien d'avoir les deux. Hop. Favori. Ah, aussi. Favori. Parfait. Voilà. Canon à étoiles. Rapide, donc ça tire vite. Tire des étoiles filantes. Ça fait énormément de dégâts. Vous voyez ça? Ouais, bon. 787 de dégâts avec la concentration buff. C'est énorme. Et c'est génial. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, les étoiles, du coup, je les garde pour ça. Hein. On va laisser faire les Jester Arrow que je trouverai dans des coffres ou autres. Rapide. Je vais faire ça comme ça. Ça veut dire que j'ai des étoiles quelque part. Donc, ici, 19 étoiles, parfait. Bonne d'Hermès, voilà, je m'en fous. Très, très bien. Bon. Le marchand vient d'arriver. Ben, pas vient d'arriver, mais est arrivé. Je l'avais pas vu. On va aller voir, toi, est-ce que tu as d'autres quêtes pour moi? Warrior test. Je veux pas donner Warrior, désolé. Ça m'intéresse pas. C'est une classe qui est cool, mais voilà, non. Templar. Ça fait quoi, Templar? Non, Templier, c'est clairement... c'est clairement une classe de mêlée. Moi, je veux des classes à distance. Donc, ça m'intéresse pas non plus. Ça. Ça, je vais peut-être le mettre. Bon, je vais le mettre, voilà. Ça augmente le throwing damage. Hop. Du coup, ma veste, je peux la vendre. Ça aussi. Je vais aller voir ce qu'il me faut pour... ce que je peux faire avec des cristals de vie. Je peux juste faire le cœur. Et la lanterne. Lanterne, ça peut être intéressant, mais bof. Je vais les garder quand même au cas où, mais... Je pense pas les utiliser, sincèrement. Ouais. Voilà.
Les biwax. Ça permet de faire quoi? L'armure d'abeille, je crois. Ça doit être tout. Biwax. Voyons, artisanat. Biwax, ça permet de faire... Ah, ça permet de faire des beanade, hornet staff, qui peut être cool, je pense. Je m'en ferais peut-être un hornet staff. Juste parce que je peux. Je pense que je vais m'en faire un. Ici, voilà. Ça me fait une petite abeille qui me tourne autour, ça va être cool. Ça va être pratique. Casque de la jungle. Ok, il me manque quoi pour avoir les trucs de la jungle? On va aller voir. On va aller voir ça. Ça doit être des dorges. 10 d'or et 2 vignes. Donc 10 d'or. Est-ce que j'ai 10 d'or chez moi? Je penserais pas. Je pense sincèrement pas, vu que je les ai utilisés pour les kites et autres. Exact, j'ai pas de d'or, j'ai 2 vignes. Donc je peux faire déjà 2 items du set de la jungle. Qui va sûrement être meilleur. Donc c'est le casque puis les jambes en plus, ça tombe bien avec ce qui me manque. Casque, hop, ici. Et les jambes. Qui donne 5 et 6 de défense. Donc ma défense augmente beaucoup. Je suis rendu à 75. Évidemment, le 5 et le 6, c'est pas les vrais chiffres. Hein, parce que... ben voilà, avec les, mes stats, ma défense augmente plus. Donc par exemple, si j'enlève 5 de défense, ça m'en enlève 21. Donc voilà, c'est pas les vrais chiffres, mais c'est pas grave. La petite abeille qui piche des dards, c'est cool. Elle est pas capable de viser par contre, mais... Je te pardonne. Cette petite abeille n'est pas très utile, mais c'est pas très grave. On est rendu à... Oh, on est déjà à 30 minutes, ok. Donc on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu quand même. Bon, on aura farmé un petit peu les Queen Bee. Je risque de faire ça dans le prochain épisode aussi parce que je veux vraiment... Le fleur, j'en ai pas tant besoin finalement. Je veux vraiment avoir ma nouvelle classe. Donc, Honey Dispenser, on va le mettre sur le toit. Pas ici, pas ce toit-là. On va laisser ce bâtiment-là un petit peu pur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé cet épisode, à me dire en commentaire encore si vous avez des défis pour moi, donc je continue à les noter, il va falloir que j'agrandisse mon petit panneau d'affichage d'ailleurs, mais c'est pas grave, donc si vous avez d'autres défis pour moi, et pour me parler de la vie en général, de la philosophie, de tout ce que vous avez envie. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Charda, au revoir.